Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de War Tales. On avait fini l'arène. Tiens, il faut qu'on se repose aussi. Ouais, faut qu'on se repose. On va sortir. On avait fini l'arène. La dernière fois, c'est super bien passé, c'était cool. C'était bien cool. Et on a récupéré donc... ouais, toi t'as ça, blanchir. On a récupéré donc la vipère. La vipère. Qui est une arme légendaire et tout ça, donc on pourra l'augmenter, elle est bien, une arme unique. On va l'utiliser, surtout qu'on est... Notre build en fait fonctionne avec le poison, donc bah, c'est une bonne chose, tout simplement c'est une bonne chose. Donc ouais. Voilà, c'est le résumé. On a la serpe fantôme du coup... C'est la même, ouais, c'est exactement la même. Faudra qu'on remette du critique sur, sur la nouvelle épée. Nouvelle dague. ok, on va se reposer. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Je me rappelle plus vraiment. Je crois pas grand chose en fait. Là on a des poissons, c'est bien. On n'a rien à construire. Non, non, c'est bon, on peut dormir. Je vais voir s'il n'y a pas des trucs à préparer. Le choc des cultures, très bien. Nickel. On va faire un peu de charbon. Il faut voir un peu le charbon qu'on a. 26. Ouais, il nous faut du charbon un peu. Et on va choisir quoi prendre. Donc du coup, on voudrait genre un repas. Genre ça, c'est dex et vitesse. Là, on a force à la place. On a 3, 2... On a ça. On a beaucoup de crit aussi. On a beaucoup de crit. Il y a un truc qui est un peu embêtant, c'est que là, on a deux délicieux, mais ils veulent pas se stacker les trucs. C'est 3 et 2. C'est sûrement pas du même batch, donc du coup, ils veulent pas. Je pense qu'on va prendre... Donc ça... Enfin, après, c'est en mode difficile, j'ai envie de dire. Donc, pourquoi pas faire ça... Et on va prendre... une critique. On utilise un peu plus que nécessaire, mais au moins on a critique, force augmentée... et réduit aussi la vitesse. Ouais, c'est pas mal. Et on pourrait rajouter ça pour avoir de la dex. Non. On a durée de la course augmentée, ça peut être pas mal. Ouais, mais bon, après, ça fait beaucoup de gaspillage, en fait. Ça fait énormément de gaspillage, quand même. Très bien. T'as toujours du poisson, oui. Parti. On repart dans l'arène. On va faire le mode difficile. C'est juste pour récupérer de l'argent. Toi, on t'avait tout volé. C'est juste pour récupérer de l'argent. Smart is available and wants a rematch. Are you ready? Ouais. Par contre, je crois que Ingran, on va la changer parce qu'elle est pas très très utile. On va prendre Drakkard. Nuage de poison par... Oui, c'est les mêmes règles, ça marche. On va voir. Ah, du coup, il faut refaire les trois combats, puis après le boss, en fait, d'affilée. Alors, Duan ne doit pas subir de dégâts. Duan, t'es sérieux? Drakkard sera mis hors combat si l'exigence n'est pas remplie. What? Ah ouais, ah c'est violent. Ah ouais, non, c'est violent là maintenant.
Ah, attends, je peux te finir. Je peux te finir. Très bien. Faire ça. Très bien. Voilà. De toute façon, tu peux pas riposter, toi. Ah, très bien. Oh merde. Ah, fais chier. Je sais pas si ça va le tuer. Bon. Ok, on n'a pas pris de dégâts. On a utilisé beaucoup de bravoure par contre, mais ça va. Alors, très bien. Chaque fois qu'un compagnon utilise plusieurs points de bravoure, il gagne protection. Ça, c'est pas mal, ça. Tout le monde est au max, ouais. Là, on s'est super bien débrouillé, ça. Le lancier qui bloque, en fait, avec le mur de pique. C'est vraiment cool. Tarus sera meilleur de combat si le round n'est pas rempli. Alors, Emmerich doit être engagé à la fin du round. Emmerich. On va refaire la même chose que eux, on a une bonne chance de les one shot en fait. Après c'est toi. Pas mal. On va te briser la garde. On va s'amuser avec toi. Hop. Très bien. Ok, donc 6 de poison, fais voir maintenant les dégâts que tu fais. 58. 87 en crit. C'est pas mal.
C'est pas mal comme ça. Ça marche bien. Alors, Man génère 2. L'union fait la force. Ouais, riposte pas mal. Vu qu'on joue Duan en riposte, donc on va lui augmenter l'armure à chaque fois. Chaque compagnon doit finir son tour au contact d'un allié. Duan sera mieux hors combat si l'exigence n'est pas remplie. Ah, c'est chaud ça par contre. Ah, t'as de la chance. Oh, direct. Je pensais pas que ça allait être direct en fait. Je pensais que ça allait être à la fin du round. Oh la vache. Merde alors. Ouais, finir son tour. Non mais c'est moi qui sais pas lire en fait. Ça. Ça va être compliqué pour la suite, hein. Voilà. Des rats pestiférés maintenant. Alors, ne pas attaquer deux fois la même unité. Putain. Sinon, Tarus sera mis hors d'état. Je sais pas si on le reprend. De combat. Oui, parce que j'ai tapé plusieurs fois en fait. Putain de merde, c'est ouf. Est-ce qu'ils vont être full vie pour après ou pas? Voilà. Okay. Est-ce une exigence appliquée à la nation? Oui, bon, on va devoir faire les exigences de toute façon. Ouais, non, ça va, ils sont full vie, putain. Vache quoi. Ah, c'est violent ces trucs là. Non, on va faire ça. Ah, je sais pas. On va faire ça. Ah, c'est violent les trucs là. Ouais, hors de combat direct, c'est chaud. Alors, chaque compagnon doit se déplacer. Ça marche. Juan va se mettre comme ça. Voilà, dégâts réduits.
Est-ce qu'on fait le coup... Non, il va mettre du poison et tout ça, on peut pas faire le coup de la riposte. On va déjà mettre Drakkar à côté. On va sûrement le tuer là. Mais s'il retape, du coup, il y a Drakkar qui va le défoncer. Très bien. On va voir un peu le ouais, 48 de critique. Avec la nourriture et tout, ça tue. 58 de dégâts. Alors, on peut faire ça. Encore plus de poison. 69 de dégâts. 103. Ah, parce que... Taper dans le dos, ça peu importe. Ah, mais même avec la torche, je crois que je peux mettre du poison. Ouais, je pense que je peux mettre du poison aussi en tapant dans le dos avec la torche. Here's your reward. Well deserved once again. Enjoy it. It's the last one you'll get in this arena. Feel free to come back for the sake of it. Ok, donc on a tout fait en fait. Do you need exercise, mercenaries? This arena will gladly be of service. Let me just remind you that there won't be any rewards to claim. Ça marche. C'est super bien qu'ils aient fait le mode difficile. Et ce qui est bien, c'est que le mode difficile, c'est pas genre des ennemis qui sont complètement pétés ou des trucs comme ça, genre 30 fois leur stat ou un truc comme ça. C'est juste que il faut absolument faire les... faire les choses quoi. Ah, attends, je veux bien combattre ça. Ils sont ouf. Ah putain. Ils allaient nous attaquer et le lob s'est levé. Non, c'est pas grave. Mais ouais, il faut absolument faire ce que le public nous dit, sinon on perd des persos. Ça, c'est, honnêtement, c'est mieux. C'est bien. Might I interest you, my humble wares, my je veux bien du lait. Je veux bien du lait. Ça, on va la garder, cette dague, parce qu'elle est cool. Ça, il faudrait aussi qu'on le prenne, en fait. Non, on a 25 jours de nourriture. Faut que j'arrête d'acheter de la nourriture. Puis en fait, après, on va pouvoir faire plein de différents plats, quoi. Mais... d'en avoir 150 000 des plats. J'ai rien sur moi. Hein. Ah, c'est bon. On en fait voir un peu. Mais attends, je suis au mauvais endroit. Moi. Ah, c'est le rat. Ah oui, on avait une image. C'était ça, là. C'était près d'ici. Là, c'est là, la tache de sang, là, inspecter. Alors, dans ce coffre se trouvent des documents au nom de la bourgmestre Bit. Il semble que ce trésor aurait dû servir à la rénovation des ponts de Vertruse. Des ponts de Vertruse, par contre. Pardon. Vous avez trouvé un trésor. Donc, ouais. On peut encore l'inspecter. Ça marche. Donc, ça, c'est la carte, en fait, qu'on avait volée. Qu'on avait volé dans le coffre. Alors l'invasion de rats, on va la laisser là. Pour le moment. Pas besoin de cette fleur, mais c'est pas grave. Avance. Oh putain. Ah, des fois ils veulent pas, hein. Des fois ils veulent pas avancer. Ils s'arrêtent sur le moindre petit caillou, ça y est, c'est fini quoi. Qui c'est ça? Ah, c'est la garde, vas-y, oui. You are wanted for a number of crimes. We will not let you go until you have paid the fines you owe.
Don't take it personally. I'm just doing the job. Ouais, on a beaucoup. On a différents endroits, en fait. Attends, on fait voir le prix. 60, 20, 20. Thank you for your contribution. But don't let this happen again. Ouais, ouais. Alors, le poste frontier de Gothenburg. The city of Gothenburg lends its name to an entire kingdom. That's how important it is. Ça, on ira plus tard. Apparemment, c'est... Alors, moi, c'est Tiltrum Vertruche. Après, c'est celle de gauche et après, celle de droite. Ouais, donc ça, ça sera plus tard encore. Oh, you can go through. This checkpoint is within the kingdom of Gothenburg. No need to pay. Ah, ok, merci. J'aime bien savoir. Frontière appelée, toutes les troupes de mercenaires rentrent dans leur forteresse. Ouais, ça on verra plus tard. On verra plus tard. Bon, on va pas faire le tour de Grimir parce que... Sinon on va se... Oh putain, je me suis... Chaque fois, je sprint trop, hein, c'est ouf. Hein. Ouais, on va pas se balader là, parce que c'est pas là que je vais aller, de toute façon. Inspecter. J'ai découvert un secret. Good. Sympa. Le château de Mareim. Est-ce qu'on a besoin d'augmenter une habilité à quelqu'un? Cela, c'est quoi ça? Ouais. Non, on n'a plus besoin d'augmenter d'habilité pour le moment. Faut attendre ou qu'on monte de niveau. Il y a que Ulal en fait. Mais comme j'ai dit, Ulal, je voudrais bien le changer. Je voudrais bien le changer ici en fait. Donc on attendra. Ouais, mais Drakkar, il va rester avec nous. Honnêtement, il est devenu sympa. Drakkar. Je pense qu'il est devenu cool. Et puis coopérative, dégâts augmentés, c'est vrai que c'est utile quand on le met comme ça. Là, on l'a vu en arène, c'est pas si mal. Hein. Ok, les chaînes, c'est bon. Nickel. On rentre dans la tente. Qu'est-ce qu'on a à faire? Bah rien. Alors, on peut prendre un normal. Hop. Est-ce qu'on prend un critique ou pas? Je pense pas qu'on en ait vraiment besoin maintenant. Je fais sécher du poisson parce que ça fait de l'huile surtout. Voilà, 47, tout le monde est content. Nickel. Qu'est-ce que tu veux, toi? Jérus sait que je ne veux abandonner personne, mais être recherché par la garde, c'est grave. Ah, mais attends, c'est bon. C'est caché. Suggéré par Dioan, requiert 20 dédorants. Boire pour oublier. Vas-y, bois. Vas-y, bourre-toi la gueule. Ah oui, je peux faire des infusions maintenant. Je
J'en ai fait quelques-unes. On va garder le sel de côté pour le moment. Mais faut qu'on augmente, ouais, notre compagnon, bientôt maître. Donc ça nous ferait deux marmitons maître. Honnêtement, c'est pas si mal, hein, deux marmitons maître. Mais je pense le fait que... on se fatigue moins, qu'on mange des repas, là, qu'on prend des repas entiers, du coup, ça serait encore... ça marche encore mieux. We're next. I hope I remember everything. J'espère aussi pour toi. My parents lost everything to the vineyard disease. I decided to join the Brotherhood to lighten their burden. Mm-hmm. But to be honest, it's a bit daunting. Tu devrais nous rejoindre. You're not bothering me. I just finished eating my mutton stew. What would you like to work on today? A specific skill? A weapon upgrade? Ah bah tiens, on fait voir. Requiert niveau 4. Et toi, t'es 6. Améliorer. Oh putain, comment c'est cher! C'est ultra cher. Ça ferait 300. Puis après, on doit payer nos gens. Ça fait 500 qui partent comme ça d'un coup. Ouais, non, ça ira. Non. You're not bothering me. Ouais, I just finished eating my mutton stew. What would you like to work on today? A specific skill? A weapon upgrade? Ça ira. Les larmes, elles restera comme ça pour nous. Voir un peu les dégâts. 14-18, et si je fais avec ça 14-18, oui, ça change pas ça. Je suis en train de me demander, je me demande si ça c'est peut-être pas 32-40. Après, quand on met beaucoup de poison, ça fait quand même bien mal. Hein. Ben, je sais pas à chaque fois. Parce que là, elle est un peu basse en fait, la lame. Alors que là, elle est mieux. Elle est mieux en théorie. Faudrait tout simplement l'augmenter en fait, ça là, je crois. Enfin, on n'avait jamais fait 100 et quelques de dégâts, je crois. Donc au final, ça c'est peut-être mieux. Ouais, non, c'est peut-être mieux. Faut juste mettre beaucoup de poison. Par contre. Je veux bien prendre des livres. Course. Putain, ça marche bien le truc, ça augmente pas quoi. C'est intéressant, ça marche bien d'être voleur maître. Hein. Je veux pas dire, mais... Alors, premier soin. Qui n'a pas premier soin? Ce premier soin, c'est quand même vachement utile. Toi, vu que tu restes dans l'équipe... La course aussi, c'est vachement utile. La course pour les... Eux, ils ont la course. Ouais, pour les archers. Une graine, prend la course. Très bien. Et le Kourou. Le Kourou, c'est quoi? Enfin... Kourou, c'est une attaque mêlée. Hein. Donc, du coup, ça sert à rien pour les archers. Qui veut prendre Kourou? Je crois que quasiment tout le monde a Kourou, en fait. Merde. Ah non, Ménette n'a pas Kourou. Parfait. Allez, Cassos. Fallait qu'on va enlever. Inspecter.
se sont fait attaquer. Oh. Ils se sont fait attaquer par les sangliers, peut-être. Ah, le repère de bandits. On a tué un avec un crâne. Ouais, maintenant il est jaune, très bien. Pêcherie de Merman. Ah, le loup. Faut l'attraper, le loup. It's strange. I thought I saw something shining in the water. In the water? My brother has gone missing. He went to visit a friend in the Vitruvian jail 2 weeks ago, but we haven't heard from him since. À la prison. Oh, putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh, qu'est-ce que c'était? Vous avez remonté un coffre. Clé ouvragée. Ouh, fragment d'objet précieux, yes. My brother has gone missing. I can't believe it. They've been living on a chest this whole time. C'est vrai. Par contre, attendez, j'ai vu un système. Je peux faire ça. Ah, direct il montre. Ouh, c'est vachement bien ce système. Genre en fait, si vous avez pas de. La personne avec le métier. Genre, il y a écrit choisir un métier en fait. Doit être pêcheur. Genre, on fait clic droit. Et directement, on est dans le menu en fait des métiers. C'est vachement bien. Genre, le jeu va vraiment où il faut quoi. Donc, ça, c'est vraiment cool. Vraiment sympa ce système. J'adore la pêche, oui. 3 barres et un bois, putain, c'est énorme. Dire qu'avant c'était toujours un poisson, quoi, mais c'est ouf. 4 sardines. C'est top. Je crois que peut-être on pouvait en avoir 2 maximum. Je crois. C'est à peu près tout, quoi. Alors, encore de la pêche. Je sais plus si on a encore des hameçons. Non, pas des hameçons, mais des appâts. Je sais plus si on a des appâts. Parce que je commence à plus à trop avoir d'hameçons. Après, on peut faire un hydra, hein, c'est pas trop grave. Mais bon, enfin, on récupère tellement de poissons, honnêtement. Regarde mon poids, comme il monte, c'est ouf. Je vais voir le chien. On a des cordes, ouais. Celui-là n'est pas particulièrement grand, mais il semble avoir été trop nourri pour son propre bien. Son collier, pendouille, un médaillon où il écrit petit cœur, attaqué, corde. Tenter de capturer, oui. Absolument le capturer. Alors, putain, t'as que 48 points de vie. T'as que 48 points de vie. Alors, attends.
Merde, mais je me suis mis du poison dessus, quelque part. Débile, quoi. Le gros débile. J'espère qu'il va pas aller sur les mauvaises personnes. Toi, t'as pas... pas taper. Avec ça, ça marche. Ok. Bougez pas, vous, hein. Faites pas chier. Ok. Laura, elle est où? Laura, elle est là. Ouais, non, mais si je booste les sangliers aussi, ils vont me faire chier. D'accord. Ah, ça, c'est du 100%. Ok. Ça va, ils sont sympas. Ils sont sympas. Vu que c'est un truc de quête. Parfait. Il est avec nous. Est-ce qu'il est spécial ou pas? Attends, on va le soigner. Remède. Ah, on a un remède imparfait. Vas-y. Oh, ça va marcher. Ah, il a pas de points d'habilité et tout ça. Ouais. On va le ramener chez ses propriétaires. Du coup, on va éviter les combats. C'est ça, hein? Non, c'est pas ça. C'est où? C'est ça. Je voudrais bien aller les combattre, mais... On a petit cœur et je contrôle pas les animaux, donc... Marrant, ils attaquent pas les marchands. Je crois que les marchands se font beaucoup moins attaquer qu'avant. En early, ils se faisaient attaquer très souvent. Et des fois, ils avançaient, même quand il y avait des bêtes fantômes, là, les meutes fantômes. Ils allaient dedans et ils crevaient instantanément. Tout le monde meurt, en fait, contre les fantômes. Si vous avez jamais rencontré mon partenaire, amenez-le à moi. Vous ne pouvez pas le manquer. Il est assez large. Et où est le collier? Petit cœur. Oh, I can't believe it. Buddy, my little one. I was so worried I'd never see him again and yet here he is. Eh ouais. Thank you, mercenaries. I have found my purpose again. Take this. It's my most prized possession. After Buddy, of course. Collier bardé de l'art et une lyre. Lyre, je crois qu'on peut juste la vendre, ça sert à rien. Ouais. Ça, par contre, c'est sympa. Alors, cette unité peut être contrôlée au combat. On peut leur mettre ça au sanglier pour éviter d'avoir des problèmes. Il a la chance de capturer un ennemi augmenté de 15%. Après, on aura 50% en plus dans les, avec les voix, donc c'est pas très très intéressant. On a un point.
On pourrait faire un meilleur feu, ouais. Améliore le les bonus liés au bonheur. Améliore grandement les bonus liés au bonheur. C'est quoi les bonus? Ah, attends, tu vas me dire que j'avais pas vu aussi les améliorations à ça. Parce que je crois que de base, ça doit être 10% en fait d'expérience en plus, peut-être. Non, ça doit être 15, je crois. Et maintenant, c'est 20. Ça, c'est parce qu'on a le feu de camp augmenté. Ouais, on va faire ça. Il est joli, il y a une, il y a tout un tour en fait. D'accord. We're going to get some rest before setting out for Gothenburg. Ah, oh, glad to see that beast back in its cage. À moins qu'un animal soit capable. Non, on s'en fout. Est-ce qu'on peut voir le chien? Glad to have him back. He was never any good on stage, but with him around, we don't have to take turns keeping watch at night. Okay. Ah, on peut couper du bois. J'avais pas vu. Je me suis loupé. ça arrive, c'est pas grave, tout va bien. Alors, ouh! Non, c'est pas le feu. On l'a pas amélioré, donc c'est pas le feu. Alors, feu de camp 2. Ouh! Ouh, c'est stylé là! Ah, c'est cossu, hein! Ah, j'adore le camp. Déjà que j'adorais le camp à la base, avec tout plein de petites choses à mettre et tout ça, ça fait vraiment une bonne équipe de mercenaires et tout, avec plein de trucs. Là c'est mieux. Alors, fais voir maintenant. Attends, peut-être faut faire ça. Je sais pas si ça bouge vraiment, ça change, ça fait quelque chose. 20% d'expérience. Ah, 6 de bonheur. Par point de bonheur. Ah, bah oui, maximum de bravoure augmenté aussi de 2. Maintenant, on est à 12 au lieu de 11. Non, ça, c'est cool. On a bien fait. On a bien fait. On peut toujours mettre que 4 personnes, par contre. Plus 2 supplémentaires à chaque repos si au moins un compagnon est assigné. Ça aussi, le fait d'avoir un bonus comme ça pour 1. Donc 1, ça fait 2, en fait. Ça, c'est vraiment bien. Parce que quand on a des équipes où il n'y a pas trop de gens, c'est un peu la merde. Nous, on a toujours nos sangliers, là. Bah après, honnêtement, ils consomment pas beaucoup, donc c'est pas très grave. Un truc que je pourrais faire, c'est aller récupérer des... comment ça s'appelle? Des fers à cheval et leur mettre dessus. Je sais, ça semble bizarre, mais s'ils ont pas changé de l'alpha, enfin du early access, c'est possible. Mais un truc qu'on pourrait faire, c'est à la limite les... Si c'est pas trop chiant à faire. Collier de l'art, c'est quoi qui me manque? C'est le gibier, en fait. Ouais, on peut leur mettre ça. Après, je vais être honnête, je les garde parce que... De ramasser les champignons marchant en forêt. Déstabilisation ici. Après avoir subi une attaque, cette unité gagne en colère. Bousculade. Bousculade, c'est pas mal. Ça. Transport. Dégâts subis réduits de 25%. Ouais, enfin c'est. C'est vraiment... Ouais, je les garde parce que... À la base, c'était pour de la nourriture, mais au final, bah... on en a beaucoup. Ah oui, il y a ça aussi à faire.
Au final, on en a beaucoup de la nourriture. Donc bon. Le jour où on veut beaucoup de porc, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait faire maintenant ? On n'a fait aucune mission, je me rends compte. Je me rends compte qu'on fait aucune mission. On gagne pas d'argent. Pas vraiment, quoi. Be careful if you go into the hills south of here. I heard farmers mention plagued rats. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, les rats, ok. Très bien. Faudrait qu'on aille poser la dague et tout ça. Mais bon, ça va, on a encore de la place. Est-ce que je peux faire des renforts? Renforts de serre. Alors après, peut-être que je peux faire une arme. Ah mais non, on a plus de points. J'ai rien dit. On va faire des renforts de serre. Renforts de serre, c'est force et armure. Toi, il t'en faudrait un. Je sais qu'après, on pourrait avoir garde et tout ça. Je me rappelle plus exactement tous les différents renforts qu'il y a, mais ils sont quand même bien abusés. Voilà. Donc t'as 12 armures supplémentaires et t'as 6 de force supplémentaires. C'est pas mal. Hein. Parce que vu que t'as pas de bouclier. Ah oui, elle est devenue Lavar. Je sais pas si je l'avais dit aussi. C'est Laura Lavar. Parce qu'elle elle se fait payer du coup. Ils avaient dit ça. Qu'est-ce qu'on peut faire encore comme renfort? Après, c'est quoi? C'est mouvement, armure. Mouvement 1, c'est pas énorme, honnêtement. Ouais, mouvement 1, c'est pas énorme. Après, on peut mettre encore des renforts. Peut-être sur elle, à la limite. Parce que lui, il a beaucoup d'armure à cause du fait qu'il a un bouclier. Donc, à la limite, je dirais pour elle, hein, vu qu'elle fait pareil que Laura. Ouais, on peut faire deux renforts. Ah, je sais pas, en fait. Non, on va les garder de côté. On va les garder de côté. Par contre, je voudrais juste faire un truc, c'est mettre une touche pour afficher les personnages, là. Inventaire, je l'ai mis. La carte, je l'ai mis. Compendium, non, parce que c'est pas tout le temps qu'on va dedans. Campement. Il n'y a pas les personnages? Campement, rotation, ping, chat. Cours sur un campement, fois inventaire. Non, il n'y a pas. D'accord. Bon, bah, c'est pas grave. Ce n'est point grave. Might she be looking for work? Here is your reward. Papa Adrien est bien gardé. Ok. On va voir un peu les gens. Alors, rôdeur, pas intéressant. Toi, tu vends quoi? This inn is mostly a rest stop for travelers on their way to Marheim. Most people only stay for one night. Ça c'est pas cher. Ouais, mais enfin, c'est aussi c'est cher quand même. Ça ferait 120 en tout. Il est moins cher que d'habitude, mais on en a peu. Une brute avec peau dure et un guerrier avec rien. Rapide, sommeil lourd. Non, c'est cool. Ah oui, on pourrait prendre des missions ici. This inn is mostly a rest stop for travelers. D'accord, c'est pas là, c'est là. Might she be looking for work?
Alors, l'invasion de rage et les rages, on va pas les faire maintenant. Le colonel, on va offrir ça plus tard. On en a un. Fond de prison, mort de ceux qui l'ont arrêté. Je vais faire les rats pour plus de d'influence. Demeure des Alazar. On va aller voir ça un peu. Ah, c'est là. Qui sont venus les mecs? L'abbaye, ouais. On est là. On a mis du temps à venir, hein. On a mis plusieurs jours. Stand back, peasants. We let you off lightly last time, but if you threaten the Abbey again, you will pay that heresy with your lives. Peasants. We're not after the Abbey. It's the plague ridden we want. They're making our vineyards wither, and our families go hungry. Nonsense. Broker Old Marheim says the plague has nothing to do with your vineyard's woes. What does he know, Old Marheim? His apothecary has disappeared. Now let us in, or we'll send you our mercenaries. Ouais, doucement. You hired mercenaries. That does it. Enough is enough. D'accord, on est obligé de les combattre. Ouh, on a plein de paysans avec nous. Peasant. J'adore. Ah, je suis content, ça se passe tellement bien là avec entre l'argent et la nourriture surtout. La nourriture d'être buffé tout le temps. C'est assez difficile d'être buffé dans le premier. Enfin dans l'early access quoi. Parce que c'était plus difficile de faire de la nourriture, comme j'ai dit. Du coup, bah ça rendait tout un peu compliqué en fait. Est-ce qu'on a des gens oui, qui doivent pas mourir? Oui, ici, il y a toi. Toi, tu vas te mettre en fuir, complètement fuir. Tu vas te mettre là. Pas quoi que. Tu vas te mettre là. Ils ont quoi, eux? Alors, les unités ont rivalité quand elles sont engagées. Dégâts subis causés par l'erreur engagés de près de 50%. Donc, du coup, on a 9, 4 ici, 5 ici. Mettre les archers au centre, comme ça ils peuvent tirer un peu où ils veulent. On met les paysans dans un coin et ils se débrouillent. Et nous on se met tous ensemble. À la limite, elle peut se mettre ici, comme ça, elle contre lui directement. Parce que vu que tout le monde va être boosté en vitesse, ça va quoi. Putain, t'es sérieux? Vache. Motivé. Dégâts augmentés de 10%. Ah oui, d'accord, le 150% de dégâts là, il a fonctionné sur la lance, c'est pour ça qu'elle fait aussi mal. D'accord. Intéressant. Intéressant. Après, j'ai pas vraiment regardé où j'ai mis les gens parce que.
j'ai pas fait gaffe, quoi. On va se mettre là. Yes! Saignement. Je sais pas pourquoi ça fait. Ah oui, oui, c'est parce que ça fait. Critique. Calme. Galvanisation, du coup, c'est quoi? C'est 50? Ah oui, de motiver, ça passe à galvanisation. Ok, ça marche. Et ouais, deux coups. Inspiration automatiquement, d'accord. Dans la boue et on te ralentit en plus. Nickel. À la contre elle. Ah oui, non, mais c'est le bouclier, putain, à chaque fois. À chaque fois, j'oublie, à chaque fois, ça me confus en fait. De comment elle peut faire ça. Je me dis, elle a une hache, elle est pas censée pouvoir contrer. Ok, fuir, c'est pas vraiment par là. Défense. Défense, je crois que c'est ne pas bouger. Ok, là il y a tout le monde qui est. Deux Itarus. Ah, fais voir ça. Ah, je voulais voir si ça mettait du poison. Très bien. Oh. Quel? Une baffe. Voilà. C'est bien la riposte. Ingram, elle est vraiment bien que. Allez, à la limite que quand elle fait des crits déjà, mais que quand on l'utilise pour barrage. Il faut qu'elle soit boostée un peu.
faut vraiment qu'elle soit boostée. Ils sont vénères les pécores. Ah, 89 de dégâts. C'est pas une arme légendaire. Hein. Donc c'est pour ça que je suis en train de me demander si ça vaut le coup. Mais bon, c'est parce qu'elle est pas augmentée, sûrement. Out of the way, Abbott. We demand justice. You slaughtered our defenders, forced your way into an abbey, and now you threaten to kill innocent people? How dare you speak of justice? We have no choice. The plague-ridden spread their disease and wreaked havoc on our lands. It is our duty, our right, to punish them. How could these people who have been confined in this abbey for weeks spread the plague to your fields? You have no evidence to substantiate this claim. Of course we do. Gosenberg is the only kingdom where the plague-ridden are looked after for so long. It is hardly a coincidence if we are the only ones who lost our crop. This is absurd. Only Vertruz is affected. The vines from other provinces are perfectly healthy. The disease affecting your vineyards has nothing to do with the plague. There is only one way to be sure. Kill all the plague-ridden and see if it rids us of the disease. Only then will we truly know. Genre tuer tout le monde, puis après on verra si ça marche ou pas. For the eyes' sake, mercenaries, stop them from killing these poor souls. Can't you see that the men you are escorting have lost their minds? Je crois qu'on peut choisir. You're not going to stop us from killing the plague-ridden, are you? Alors. Chasser les fermiers de l'abbaye, récompense promise, emblème de la Sainte Léna. C'est quoi ça? Je sais pas du tout ce que c'est. Convaincre les végans que sont épicés. Non, mission pour rien. Requiert 60, récompense promise. Attends, mais ah oui, mais en fait c'est le même, la même fin en fait. Là, c'est convaincre que les pestiférés ils sont pour rien, donc on les fait partir. Et là, c'est les tuer en fait, enfin les chasser quoi. Et on a plus d'a, on a ouais, on a la même argent, mais on a un objet en plus. Convaincre les vignerons que puisse. Mais ça fait avancer l'histoire. Donc je suis en train de me demander si on peut pas faire convaincre et après attaquer. On va faire ça. Il y en a 16. Ouais, on n'est pas vraiment après genre 100 pièces, mais c'est bizarre parce que en fait ça fait partie de l'histoire, donc c'est pour faire avancer l'histoire. Donc je me demande si on peut pas faire les deux comme ça, genre convaincre et après le reste. Bah, ouais, putain, 20 en tout. Chier. Oh là là, il y en a partout. Toutes ces cons. Par toutes ces abrutis. Vas-y, go. J'aurais dû faire ça en premier. Vous
Vous êtes sûr que vous voulez combattre les mecs? Moi j'ai mis les deux côte à côte aussi. C'est les deux classes fragiles côte à côte. J'avoue que point de vue connerie, ça se porte bien. En train de me demander aussi si on devrait pas changer notre lieutenant. À la limite, lieutenant Duan, ça passe parce qu'il est à côté des gens. Mais Taurus là, enfin c'est pas Taurus. Mais... notre assassin en lieutenant, c'est peut-être pas très utile vu qu'on le joue assez tard dans le tour. On va devoir protéger ces deux idiots là. Pas me mettre à côté. Quelle merde. Très bien. Putain, je peux pas me mettre à côté, c'est con. S'amuser un peu avec ça. Oh. Balance plein de couteaux à chaque fois. Ah putain, mais non, on n'a pas mis le feu à notre ami, mais non, pas du tout. D'accord, je suis teubé, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Bien.
tellement de gens là. Bien, j'ai baissé la vie de tous. Comme ça, elle peut les tuer. Bien joué. Suivant. Tiens, on peut le tuer lui aussi. Ah bah tiens, je peux faire quoi. Ah, c'est pas grave. Voilà. C'est joli. Ça c'est joli. C'est très joli. Je peux ping pong, voilà, très bien. Ping pong. Qu'est-ce qui reste? Il reste plus grand chose. Ah, les paysans, hein. C'est chiant. Hein. Ça prend quasiment rien, dégâts. Ouais, on peut le contrôler. Ouais, je dirais bien, parce que j'en avais parlé à un moment, d'avoir un pet en fait. Nickel. Non, vous êtes chiant. Tout le monde va crever. Le bordel, quoi. Voilà. Ouais, genre un pet. Un animal de compagnie. Genre pas beaucoup, énormément, faut pas exagérer non plus. Ah, fine lame, c'est vachement bien. Ça, c'est cool, ça. Alors, faut voir un peu tout ce qu'on a. Yeah, du sel. Recueil de poésie. I was worried you were going to side with the vintners. Thank you for sparing the sick. I do not know what they promised you, but here is what I hope is a fair compensation. Merci. Merci, merci. C'est quoi ça? Alors, selon la légende, Sainte Lénaïde fonda à elle seule 9 guildes d'artisanat. Aujourd'hui, ce n'est pas moins de 24 corporations qui se réclament de son prestigieux patronage.
Gain d'expérience des métiers de la troupe augmente de 5... De la troupe ? C'est top, ça. Tiens, ça va être la chef qui met ça. Est-ce qu'on les voit sur les sacs à dos, ces trucs-là, ou pas ? Non, hein. Ah, c'est bête qu'il n'y ait pas ça. Les sacs à dos changent par rapport à l'armure. Ça, c'est lourd, moyen ou légère. Mais je crois que c'est tout, en fait. Ah, cette cape, hein, elle est vraiment moche. Hein. Enfin, quoique, en fait, c'est fait exprès. Parce que le sac, il est collé à la cape, en fait. D'accord, ok. Non, mais je comprends pourquoi c'est comme ça, en fait, maintenant. Ça c'est nouveau, hein. Je l'ai jamais eu, hein, en early access. En plus c'est de la troupe augmentée de 5%, ça c'est top. Super. Nos sangliers qui montent de niveau. Là. Ça on va les détruire ou les vendre. Ouais, je sais pas trop. The purifiers have already been paid. We're just waiting for them to come and free our sick from the plague. OK. We thought our end had come. Thank you for saving us, mercenaries. We will make offerings to the all-seeing eye in your honor as soon as we are back on our feet. Ouais, enfin, tu peux juste me donner de l'argent, ça. Vous avez vu la peau et tout ça? Nous, on peut les soigner, on a des remèdes contre la peste. On peut complètement les soigner. Mais c'est pas à nous de les soigner, apparemment. We thought our end had come. Je crois qu'on est bon. Ouais, vachement sympa cet objet là, je suis content. Très content. Quand sur la berge. Quand il y a des trucs, ouais, inspecter. Cet ancien camp de bandits a déjà été nettoyé par la fraternité. Dommage. Il va falloir qu'on rentre à la ville, là, notre poids il commence à être. Ouais, notre poids il commence à être un peu élevé. Dernier hameçon, on va peut-être faire des... Je crois que j'ai encore des appâts, je suis pas trop sûr en fait si j'en ai. On devrait peut-être faire des hameçons de seconde qualité. On va dormir. On va voir un peu. Non, on n'a plus d'appâts du tout. Merde. Bon, c'est pas grave, on fera des... Pas des appâts normaux, c'est pas grave. Alors, démanteler. Ouais, je dirais pas non pour démanteler en fait. Ça non, parce que honnêtement, elle est bien. Enfin, on peut la garder au cas où quoi. On peut démanteler tout ça, ça nous ferait des ressources. Surtout des. Ouais, non, ça nous ferait des ressources. Pas mal, pas mal, pas mal. Même ça, le fait d'avoir des matériaux bruts comme ça facilement, c'est vraiment bien. Moi, je me rappelle, je devais les voler tellement que j'en avais peu. C'est cher. C'est cher. On en avait peu. Bon, là, on en récupère toujours deux. C'était pareil. Hein, mais le fait de pouvoir en crafter, là, en récupérant, là, c'est abusé. Quoi. Ah, on peut faire ça.
pourquoi pas. Nickel. Il y avait un truc que je voulais faire avant de dormir ou pas? Non, je crois pas. Est-ce qu'on peut faire plus de 10? Non, on peut pas. Faut voir un peu le charbon qu'on a. 37. Bon, après, on peut le ranger, le charbon, quand on sera à la ville. Je crois que c'est ce qu'on va devoir faire, honnêtement. Alors, la dex augmentée. Ça, c'est délicieux. Ça, c'est normal. Pas stacker les trucs. Non, c'est trop demandé. Dex, c'est ça. Ça, c'est quoi? La durée de la course est augmentée de 10%. Ah. Oh, de choses à bouffer, quoi. Hop. Je prends le délicieux parce que le problème des trucs qui stackent pas, là, c'est un peu embêtant parce que l'inventaire, on dirait qu'il est énorme. Ok. On a toujours du poisson qui est en train de sécher, oui. Parfait. <coughs> 48. C'est pas mal maintenant. Sympa d'avoir augmenté le feu. Alors là, on va mettre ça. Enfin, le fait de pouvoir récupérer autant de poissons, quoi, c'est abusé. Ok, parfait. On aurait pu mettre du critique en plus, mais bon, là, c'est juste... C'est juste des bandits. Bande de voleurs, sans foi ni loi, se taire à cet endroit. C'est pas l'endroit où il y a Yvain et Gauvin, là, sauvés? Je peux même pas passer en fait. Nickel. Joli. Joli.
sont un peu nuls en fait. Je pensais qu'ils allaient être un peu plus dangereux au final. Avoir plus de mal avec eux parce que j'ai moins de gens en fait. Ouch. Pleine tête. Très bien. Joli. Oh, augmenter son retour, elle inflige 20% de dégâts en moins à cette unité. Du coup, fais voir. T'as pas beaucoup de critiques de base en fait, donc c'est pas vraiment intéressant d'avoir mis ça. Faudra changer les deux. J'ai envie de dire les deux brutes. Faudrait que je change leur. Leur skill et tout ça. Mais bon, ça on verra plus tard. Ah, ce coup de pied il est efficace hein, quand même. Hein. Putain. Rafistoleur chevronné. Non, en fait, c'est pas là. Non, en fait, il y a personne dedans, quoi. Après, ils avaient un crâne, donc peut-être qu'ils font partie de renfort. Il y a strictement rien. Ah, là. Ah, il y a un coffre en haut. Très bien. Ouh. Cool. Là, on peut pas y aller. On est bon. Sympa. Sympa, sympa. On va juste regarder ce qu'on a récupéré. Je vais voir un peu. Alors. Daguerres, on s'en fout. Alors, qui eût cru qu'un pendentif en forme de blaireau puisse procurer tant de sérénité? Volonté plus 1. Pas mal. C'est quoi? C'est un accessoire de ceinture? Ouais. J'ai fait plein de croix serrées, je crois que je l'avais dit, ça aussi. Soudoyer. Ouais. Ça, on l'a toujours pas fait fonctionner. On a passé 5 ans pour tenter de soudoyer une unité ennemie adjacente afin qu'elle combatte pour votre corps. Ça, c'est pas très intéressant, honnêtement. Chloroforme.
Bah, techniquement, on peut le mettre à personne. Volonté 14, bâti ainsi. Hop, volonté 15. Ah oui, ça c'est quoi? Il a fallu toute l'ingéniosité du guenier pour rendre ses sangles adaptées au maintien de n'importe quelle arme. Sangle adaptable. Mouvement plus 1. Mouvement plus 1, ça c'est ceinture aussi. Ah, on va te mettre ça. Ouais. On va déposer le reste. Ouais, on déposera le reste. Par contre, je vais détruire encore les... Tout ça, là. Ça, je le garde. Voilà, ça c'est très bien ça. Parfait. L'époque où je me trimballais avec genre au moins 4 sangliers. On devait en tuer un tous les deux jours. S'abuser. Pour pouvoir se nourrir. La demeure des Alazar, on n'y est pas allé. I agreed to see you as this meeting could be mutually beneficial for us. You see, I need to hire mercenaries for a very delicate mission. Ah, je crois qu'elle veut qu'on kidnappe quelqu'un. I want you to capture a woman who represents a threat for the future of Alazar and Gosenberg. Needless to say, her identity is on a need-to-know basis only. You shall bring her back alive, take your reward, and never speak of this mission again. Are you interested? Le truc, c'est que je crois qu'on va la kidnapper, puis après on va l'aider à s'échapper, je crois, quelque chose comme ça. Good. I am pleased. This woman usually travels in a small caravan between the Windfall Estate and the village of Marheim. I consider this place as my home. Alazar and Gosenberg formed a single kingdom before it was divided by the Broker's treachery. It is my duty to protect the Alazar family. Ce qui me rend fou dans le jeu, c'est que... Genre, même un garde et tout, où il a une seule ligne de texte, c'est doublé maintenant. Je veux pas dire, mais... C'est limite, il n'y a pas de... Puis en plus, c'est bien doublé, hein, honnêtement. On n'a pas l'impression d'entendre deux fois la même personne, limite. Mais je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui doivent faire des accents différents. Ouh, des loups, des ours ici, c'est cool. Loupé. Mais rien que ça, le... Le fait que tout soit doublé, ça te... Genre, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse pour les autres de ne pas doubler les jeux au final. Might she be looking for... Non, on a plein de quêtes déjà. This inn is mostly a rest stop for travelers on their way to Marheim. Most people only stay for one night. Qu'est-ce que j'aime? Oui, c'est Babia. Ça, la biole. Ok. On va rentrer... on va rentrer à la ville principale. Parce que j'ai beaucoup d'objets à déposer, en fait. La forge, est-ce qu'on peut faire des trucs? Ouais, j'avais dit que je pourrais faire des renforts d'armure maintenant, mais bon. Je pense que je vais garder plutôt les choses pour le moment. Parce que les renforts d'armure, on pourra en mettre, mais armure et fort, je crois qu'on aura mieux. Enfin,
J'en sais rien. En fait, on peut faire... J'en sais rien. Non, en fait, j'en sais. Je me rappelle pas assez. Pour être franc, je m'en rappelle pas assez. Mais voilà, je vais pas en faire 300 000 parce que... est-ce qu'on prend du bois ? Non, c'est bon. Et du blé à la limite, on peut. Alors, ça serait bien qu'on ait des poulets et tout ça, j'ai pensé à ça. Alors, c'est ici. Ouais, on va rentrer à Marheim. Alors, Marheim. Ça va, il nous aggro pas de très très loin. Quand on a qu'une seule étoile. Quand on a genre 5 étoiles, les machins ils aggro de méga loin, ça abusait. Incroyable. Très bien. Might I interest you in my humble wares, my good sirs? Les pommes. Faut que j'arrête d'acheter de la nourriture, putain. Ça rend fou. Genre j'arrive pas à m'empêcher de le faire. Incroyable. C'est genre le cliché. Je manquais tellement de nourriture que maintenant j'en achète plein. Ah oui, on avait dit qu'on voulait tester ça. Ouais, on voulait tester ça du coup. Pour Tarus. Ouais. Chance de voler l'objet ne soit pas considéré comme volé. Et là, il y a chance que voler ne fasse pas augmenter les choses de soupçon. Ouais, mais c'est pas la même chose en fait. 200 de mon chien. Donc... Ouais. Non, c'est bien. Comme ça. On teste ça. Du coup. Mais d'accord, faut que je paye à chaque fois pour tout récupérer. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait bien cher en plus, hein, au final. Hein. Ah, je peux même pas déposer. Ouais, je peux pas déposer. Et quand je prends, faut que je paye 50 à chaque fois, quoi. C'est vrai que c'est le stack entier, hein, putain. Alors, le chloroforme, c'est pas très intéressant. Qu'est-ce que on peut virer aussi? Ça. Le problème, c'est qu'on va... Oh là là, ça va être une horreur. On va avoir des stacks différents. Ah non, je l'ai récupéré, ça. Ou alors, c'est ce que j'ai déjà dans l'inventaire. C'est gratuit? Non, c'est pas gratuit. Non, je sais pas. Je comprends pas. Pas grave, on s'en fout. C'est comme ça. Ça, on le met là. Le livre, on le garde. Putain, 122 de poissons séchés, si tu veux. Qu'est-ce qui pèse lourd? Ça, je crois qu'on n'a plus besoin. Ça, on n'a plus besoin aussi. Ça non plus. Ça, je garde au cas où, si je sais pas, il y a une quête. Genre, il faut les donner ou les changer, je sais pas trop. Le bois. Fais voir, on est à combien maintenant? 500. Ouais, non, il faut quand même qu'on baisse. Faut qu'on baisse un peu plus le poids. Je commence. Mais j'ai trop de nourriture en fait. C'est tout bête, hein, c'est juste la nourriture. Le métal, non, parce qu'on en a besoin.
Non, je crois qu'on peut se débrouiller avec ça, avec ce qu'on a là. Ah, la dague, oui. Bien vu, bien vu. Ouais, ça va. Après, je peux me balader hein, d'un point à un autre. It's all so confusing to me. Who would do this to my family, and why? On va acheter, on va pas acheter, mais. Très bien. Nickel. On a dit que lui on le garde dans l'équipe. Philacte. Ouais, Finlam maintenant il a. Ça c'est bien. Ouais non, Philacte on le garde. Donc on peut y aller franco avec, avec ça. Cataplace, c'est quoi ça? CGT résiste aux applications de saignement. Il y a longan inifugé, ça c'est vraiment intéressant. Pour les combats qui durent longtemps en fait. Genre on brûle tout le monde en fait au final et on... Genre on reste devant quoi. Genre on bloque. Ça j'aimais bien aussi. Pour foutre le feu partout. En fait, ça, ça va bien. Il y a des bonnes techniques, en fait, avec les dots. Où on met des tanks qui résistent à toutes les altérations d'état. Genre le poison et tout, le feu et tout. Puis, en fait, on fait du poison et du feu partout. Et petit à petit, les mecs meurent. C'est assez fun. Il y a un truc qu'on peut faire aussi, puisque maintenant on en a, c'est le givre acier. Parce que le givre acier, on peut récupérer des pierres, je crois, en les faisant. C'est pas du tout là que je voulais aller, c'est là. C'est où c'est là? J'en ai que 39 ici, j'en ai combien là, il faut que j'en achète plus en fait. De la poudre. Pour pouvoir faire du givre acier. Et après quand on sera à niveau je crois 8. Ça. Les armures en plaques de givre acier. Son apparence ordinaire rend sa résistance d'autant plus stupéfiante. Ouais, ça c'est tout en givre acier. Putain, c'est abusé les stats. Ouais. Et ça sera niveau 8. Donc pour le moment, on reste en fantôme. Puis après, on se mettra en givre acier. Alors... Le givre acier. On va voir si on en fait 10. Hop, oui. Minerai de fer, saphir, charbon. Ça tue. Ah, très bien. On aurait pu faire en faire peut-être un peu moins. Histoire qu'ils prennent des niveaux. Enfin, c'est pas grave. Ouais, c'est super. On va voir du coup, c'est quoi les niveaux supplémentaires. Donc, compagnon, on peut apprendre des recettes machin. Les recettes ont une chance de générer de la poudre d'Alazar. On peut apprendre des recettes machin. Cette recette ont une chance de générer des résidus alchimiques. Je sais pas à quoi ça sert du coup. It's all so confusing to me. Who would do this to my family, and why?
Des résidus alchimiques, j'en ai acheté quelques-uns. Mais je sais pas à quoi ça sert du coup. Bon, bah on est bon. On peut partir, je crois. Ah la merde que c'était avant. Genre là, je suis en surpoids. Pour le craft, c'était une catastrophe. Pour ça, je craftais quasiment jamais, en fait. C'était trop... c'était chiant, de 1, et c'était pas utile, au final. Armure étoile, c'était pas top. Ouais, il me faut plus de poudre d'Alazar, en fait. C'est embêtant, ça. Je pense que je peux... Oui, non, là, il faut que je laisse... Parce que on a besoin de tout le temps de quelques crafts et tout ça, parce que de quelques objets en fait de craft. Car nous, on a toujours des trucs à augmenter encore. Mais j'avoue qu'on n'a pas besoin d'en avoir autant, peut-être. On se vide un peu. Ah oui, après j'ai les poissons, je crois. Non, j'ai pas trop d'al... Si, enfin si, 10 là. Bon, bah déjà, ça, je pense que ça peut être... Ouais, j'en ai acheté résidus alchimiques, mais je sais pas à quoi ça sert. Voilà. Ça aussi, sol des montagnes, je sais pas à quoi elles servent. Ça plus tard. Ok, je suis sûr que là on a bien baissé en 467. Voilà, là c'est nickel. On va parler à la dame. What can I do for you? C'est elle. I just don't understand where the village's money is going. Oh. I double check everything several times a month, but there's no denying it. We've got leaks. Someone is robbing us blind. Elle tient à la trésorerie que la bourgeoise détourne de l'or. What? The lady mayoress has sticky fingers. Not on my watch. The guard will know of this. Et voilà. Elle est plus là maintenant. Oh, c'est quoi ça? Dépenses de la... Ah, c'est les livres. Dépenses de la ville. 35 coquelets, poulets, oies, 11 cochons et moutons entiers. Putain. 106 tonnelées de vin de la maison Loupe et Molène. Ne sont pas inscrits les dépenses pour les dégradations de toutes sortes occasionnées par les rixes et les démonstrations en ferveur religieuse. Je recommande de faire appel à la charité du négociant Clément Al-Martin pour couvrir une partie des frais. Et j'appelle à plus de modération dans les préparations des fêtes de la lumière de l'année suivante. D'accord. Sympa, ce truc. The sewer problem has had such a negative impact on Lady Beat's reputation that the citizens would never have re-elected her. She must have been stealing to prepare for the aftermath. Eh ouais. Alors qu'il suffisait juste d'aller tuer des rats, quoi. C'est con. Hein. Crook has been screaming his head off for days. I'm no. Str-
strange. The market doesn't stink quite as much now. On va prendre du sel. Le sel, c'est toujours utile. I would offer wine to go with your cheese. Ah, du miel aussi. But the disease has all but destroyed our vineyards. Arrête d'acheter de la nourriture, bordel. T'es fou, hein. Incroyable. On peut peut-être faire ça maintenant. Je veux voir un peu la difficulté du machin. Plus qu'un crâne. Alors, ce repère est prêt à tomber, donnant le dernier assaut. Il y a des renforts ou pas? Il y a des renforts, on y arrive. Ok, ça marche. On est bon ou pas? Expérience des pillages. Dégâts critiques de la troupe augmentés de 30%. Ouh, c'est joli ça. Cuirass sort la loi. Écu des bandits. Écu qui a déjà maintes fois servi d'arme contendante. Ah, mais c'est celui-là. Dégâts subis des attaques de tir réduits de 90%. Superbe ça. Genre, les archers, ils peuvent rien faire. Alors, 10 personnes avec des renforts en approche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ils sont tous plus ou moins en cercle. C'est une bonne chose pour nous. Qui joue en premier, c'est toi. On va prendre quatre secondes. Ok, Laura. Joli. Beaucoup de résistance, toi. Alors. On va se faire les archers. C'est un peu con d'utiliser du Johan, je pense. Mais... Ah putain. Ah, ils font mal hein, faut pas, faut faire gaffe. Hein. Ah, il a fureur. Voilà, très bien. Toi, on va te stopper.
archers encore. Les archers quoi? Tir vicieux, bon, c'est pas très grave. Je devrais envoyer le sanglier honnêtement. On va taper un peu là. Chier avec leur fureur. Fait saigner ou pas? Non. Ouais, non. C'est bête, elle a pas provocation. Ce serait utile. Ah, attends, Tarus, tu peux peut-être faire un truc sympa là. Je sais, j'utilise le sanglier. Vache. Hop. Très bien. Ça pourra pas. Ça va être trop loin, je crois. Et encore, je suis pas sûr. Putain. Ah oui, mais j'ai des renforts qui viennent. Faudrait tuer lui en fait. Ah mais je crois qu'on va pouvoir. On a... Quoique. Quoique, je suis pas sûr qu'on le tue en fait. Peut-être.
Non. Ah, c'est bête. Ah, ça fait beaucoup plus de monde, là. Ok, 2, 3, 4, 5... Voilà. De là. Faut faire attention. J'ai plus de... Je crois que j'ai un peu abusé sur la bravoure, j'en ai plus. J'ai un tout petit peu abusé sur la bravoure. Ça, comme ça tu seras occupé avec ouais, là ils vont faire mal. Intéressant. Très bien. On va te faire bouger. Très bien.
faire d'autre? Ah, c'est... faut faire gaffe, quoi. Très bien. Tomber petit à petit, hein. C'est juste que c'est un peu compliqué, on va dire. Ah, je suis pas assez prêt. Elle, ça va, on s'en fout. Ah, ça fait pas de poison. Je crois qu'on va devoir faire ça, comme ça on tue. Pas mal aussi qu'on puisse faire Kuro parce qu'il a moins de... ouais, on va le tuer. Il a moins de 50% de sa vie à cause des dots en fait. Ça par contre, j'ai vu, ils utilisent ça automatiquement, mais ça utilise pas ma bravoure quand même. Très bien.
ça va pas faire beaucoup de dégâts. Ok, ralentissement et saignement, c'est déjà ça. Non, mon cochon! Évidemment qu'il faut que ce soit lui qui joue, quoi. Très bien, vulnérable. Ça, ça fait mal, ça. Est-ce qu'on met Ovation ou pas? Ils sont où les autres? Un et deux. Non, c'est bon, on n'a pas besoin. Alors... Ah, j'ai l'impression qu'il faut que je joue un peu plus avec. Ah. Faut que je joue un peu plus avec les dots, j'ai l'impression. J'ai un attaque suivi sera coup critique. Et ça parce que ça fait plus de dégâts. Stabiliser. Très bien. Alors. Toi, t'es mal placé. Pas mal. Alors, coup de fureur, là, c'est... Après avoir subi deux attaques d'une unité dans un même tour, une unité gagne fureur. Une seule fois action par tour d'unité. Dégâts contre les cibles engagées augmentent de 30%. Les cibles engagées deviennent des cibles prioritaires. C'est fou. Non, ils ont des... Honnêtement, ils ont des techniques beaucoup plus pétées qu'avant. Des vraiment des stratégies, des mix de stratégies vraiment puissants maintenant. C'était pas comme si, c'était pas aussi dangereux en fait. Ouh. Eh ben. Pas mal ça. C'est vraiment bien. Dégâts critiques sur armure loup. Pardon. Un mur lourd. Il y a deux emplacements en plus. Ah, ça coûte cher. Ah oui, on avait deux missions en fait sur le même truc, puisqu'on vient de deux endroits différents. Ça. Ouais, ça, c'est pas mal ça d'avoir. D'avoir fait les deux zones, les deux villes en fait. Voir si ça c'est mieux que ce qu'on a. Tout ça c'est niveau 7. On a armure lourde par exemple, toi t'as ça. Shh.
C'est vachement bien. Elle est jolie ou pas? Non, elle est pas très belle. En plus, elle est rouillée et tout, on dirait. Mais elle est pas mal. Parce que là, il n'y a pas de renfort dessus. On a deux emplacements de renfort au lieu de trois, mais dégâts critiques. Ouais, non, c'est pas mal. Bon, on va finir ce camp et on rentre. Parce que ça fait un peu... Ça fait plusieurs fois que je fais des épisodes à... Merde. Plus de 2 heures. On va prendre comment bricoler une pelle à sel. Ah, il paraît qu'elle a été nerf. Et un collier à dents. Il paraît qu'elle a été grave nerf, la pelle à sel. Alors, chaque fois que cette unité subit des dégâts de mêlée, elle renvoie des dégâts égaux à 5% de son armure maximum. Ouh. Tonifiant la moutarde. Ça, c'est nouveau, ça. Envoie des dégâts égaux à 5% de son armure maximum. Ça, c'est bon pour les tanks. Dégâts critiques 15%. Ouais, ça, le canif, ça existait déjà. Canif sert aussi bien à régler des différents qu'à découper du jambon. Et après, se désengage. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il me veut, lui ? If you wish to benefit from everything the black market has to offer, you will have to make your way there. In the meantime, you can deal with me. I take anything and everything, wherever it comes from. Oh là là. Ah oui, lui, on peut lui vendre des objets volés. On va prendre ça. C'est moins cher, c'est le moitié prix en fait ce qu'il vend, mais c'est des objets volés. Alors, ça, augmente 20% de durabilité des crochets, ça c'est pas mal ça. Après, on a ça, la pelle à sel. Alors, il paraît que ça a été produit du sel à chaque repos, si assigné à la marmite. Ouais, c'est pas du tout pareil. Avant, ça faisait moins 1 en sel en fait. Donc, du coup, on pouvait faire genre les porcs là. Au lieu pour faire des porcs grillés, bah, on n'utilisait pas de sel. Collier à dents, dégâts critiques plus 10%. Ouais, c'était un peu trop pété, hein, j'ai envie de dire. Du coup, le sel, on avait vraiment très peu besoin. C'est juste pour faire des gros plats, en fait. C'était juste pour ça, juste pour des gros plats. Donc ouais, c'était quand même bien, bien pété. Ah, c'était compliqué, là, le combat. C'était vraiment, vraiment chaud. I just know this year will be a breeze. Without the vineyards, no need to circle new barrel. 72. On va récupérer notre argent. Might she be looking for work? Here is your reward. Nickel. Ouais, on va s'arrêter là. Guerrier, non. Hunter, non. Épéiste, non. I'm concerned about the vineyard disease. It's toujours 26 jours, j'arrête pas d'en prendre de plus en plus. À chaque fois, j'ai de plus en plus de trucs. Qu'est-ce qu'on voulait faire d'autre? Je m'en rappelle plus. Ah oui. Alors, fais voir un peu. Il nous faut la pelle à sel. Ah oui, la poche de velours, c'est pour le crochetage. Oui, c'est bien aussi, honnêtement, parce que des fois, les crochets, ça part vite. Hein. Mais bon, pelle à sel en premier. Très bien. Poche de velours. Ouais, poche de velours, on va le prendre quand même. Collier à dents. On peut faire des colliers à dents, mais juste pour avoir l'expérience en fait. Croix serrée, j'ai fait. Friandise, jamais fait. Torche, on est bon.
crochets, on en a combien? 5, ça va. Toi, tu vas monter le niveau. Constitution, parfait. Donc, la pelle à sel. Donc, ça va être pour toi, Mara CD. Donc, produit du sel à chaque repos. C'est bien ça. Donc ça, on va le garder de côté. Ça, je sais pas si on va l'utiliser. Chaque fois que cette unité subit des dégâts en mêlée, elle renvoie les dégâts égaux à 5% de son armure maximum. Je dirais oui. Hop. Un autre purificateur. Lève. 5%. Ouais, c'est pas mal, hein. L'armure, elle est juste à 103 pour le moment. Elle va augmenter après. Dégâts critiques augmentés. On pourrait... à toi. T'as déjà énormément de critiques. 64%. Ouais, tu vas faire beaucoup plus mal. Dégâts critiques dans le dos. Toi. Les bombes, je sais même pas si ça marche, en fait. Critique avec des... ça, on le garde de côté. Le reste, on le désingue. Genre ça, ça. Ça. Ça aussi. Je crois que ce qu'on a crafté, on va le garder de côté. Très bien. Est-ce qu'on a besoin de mettre... volonté 14, mouvement 1. Volonté 1. Ouais, bof. Le reste, on peut le déposer, je crois. Bon ben voilà, c'est bien passé. Ça fait un épisode super long. Oh putain. Ça, ça. Ah merde, j'ai encore ça à détruire. Quoi? Mais je l'ai pas détruit ça? Ah mais j'en avais plusieurs peut-être. Ou je deviens fou. Ah, il y a les draps aussi. Épices. Ah, épices, on va les mettre de côté. Que ça coûte cher. Ça coûte cher à l'achat et on peut le revendre pour très cher, je crois bien. On a 1000, c'est bien. Ah, nécessite 4 objets, d'accord, ok, pardon. Mais sinon, ce serait trop simple. Bon, on va s'arrêter là. I just know this year will be a breeze. Ce sera tout pour cet épisode qui était un peu long. Mais bon, le dernier combat, je pensais pas qu'il allait durer aussi longtemps en fait. Bon, ça va, ça s'est bien passé. On a récupéré des nouveaux objets. Ça se passe bien. Toi, on va voir un peu ce que tu peux faire. Je dirais pas non, peut-être, de mettre... du coup, des renforts sur lui, là. Les trois, faire 3 renforts de... Non, attends. Renforts. Renforts de serre. Ouais. À la limite, ça augmente un peu son armure. Et surtout, bah, il fait pas mal, quoi. Avec de la force. Très bien. Toi aussi, à la limite, ouais, au final, on va les faire, en fait. Fort de ça, très bien. Puis voilà, c'est bon.
5% de 115 d'armure. Ben voilà, ça va être sympa, des petits dégâts en plus. Surtout que... subit des dégâts en mêlée. Surtout que lui, à chaque fois, on le désengage et réengage. Donc du coup, il se prend quand même beaucoup de dégâts, en fait. Enfin, non, pas beaucoup de dégâts, parce qu'il est très résistant, mais il se fait taper beaucoup de fois. Donc ouais. On devra se reposer un peu. C'est vrai que maintenant, vu qu'on utilise des plats... qui nous maintiennent éveillés souvent, enfin plus longtemps, bah du coup on fait plus de combats. C'est vrai que oui, du coup on le sent, on le ressent ça aussi. On fait plus de combats et du coup on arrive vite à zéro de bravoure en fait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, c'était un super combat. Faudrait que je fasse un peu plus stratégique la prochaine fois quand même. C'était un peu dangereux, on va dire. Ouais, j'étais un peu allé trop bourrin, je pense. Mais bon, il venait un peu de tous les côtés aussi. À la prochaine, ciao ciao.